à tous, aujourd'hui on vous explique comment réaliser un crop top à franges. Vous allez voir, c'est super simple, il vous faut juste un t-shirt et une paire de ciseaux. Alors vous posez votre t-shirt à plat et vous coupez l'ourlet du bas. Et donc le principe c'est de couper des franges de 20 cm de long et de 1 cm à 1,5 cm de large suivant la largeur que vous désirez. Appliquez-vous, il faut que les franges soient bien parallèles entre elles. Assurez-vous de couper les coutures des côtés pour qu'elles aient la même largeur que les autres franges. Et voilà, on pourrait s'arrêter là, mais nous on a décidé de faire des petits nœuds parce que c'est beaucoup plus mignon. Il suffit de faire un petit nœud à la base de chaque frange, de serrer un petit peu. C'est un petit peu long, mais on vous l'a dit, c'est vraiment mignon. Suivant le jersey utilisé, vous allez voir qu'en tirant sur les bandes, elles peuvent se rouloter. Et donc chaque t-shirt peut avoir un rendu complètement différent. Et voilà votre super crop top à franges, réalisé en 3 minutes chrono. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Et ne manquez pas notre dernière vidéo avec Manon qui vous montre comment crâner cet été. Gros bisous à tous !